Je suis Kazmi Kouassi, promoteur de la vision Éclat des Gloires et par ailleurs commissaire général de la célébration des 50 ans de la musique chrétienne moderne en Côte d'Ivoire. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ont déjà participé aux premières activités, notamment le panel sur le caractère sacré qui a eu lieu le 9 juin 2021 et ensuite à la grande célébration le 11 juin au Palais de la Culture, à la salle Anoumambo, et peu après l'action sociale en faveur donc des malades du centre des Grands Brûlés, SAMU, ont pu comprendre que cette année est très très rythmée par nos différentes activités Éclat des Gloires dans le cadre donc de la célébration des 50 ans de la musique chrétienne. Eh bien, ce n'est pas encore fini. Nous avons deux grandes activités qui arrivent. Il s'agit du festin du cinquantenaire prévu pour le 3 décembre 2021 à l'hôtel communal de Cocody à partir de 19h. Et le 12 décembre, le grand concert apothéose de la célébration du cinquantenaire de la musique chrétienne prévu à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II à partir de 16h. Je voudrais dire merci à notre Dieu, notre Père, qui a rendu, n'est-ce pas, ce cocktail de presse possible afin d'échanger avec les journalistes, la presse écrite et digitale sur, évidemment, ces différentes activités qui marque donc la célébration des 50 ans de la musique chrétienne, mais aussi le 5e anniversaire de la vision Éclat des Gloires. Nous voudrions inviter l'ensemble du corps de Christ, tous ceux, n'est-ce pas, qui ont été touchés, bercés, n'est-ce pas, par la musique chrétienne, d'un tel ou d'un autre, à se mobiliser autour donc des activités à venir, notamment le festin du cinquantenaire de la musique chrétienne qui sera un moment vraiment agréable dans la présence de Dieu avec tous les pères et aussi les nouvelles générations, donc de 1971 à 2021. Ça sera un moment historique dans l'histoire de la musique chrétienne. Il faut donc venir, n'est-ce pas, pour passer ce moment-là où nous allons aussi mettre en place la fondation Éclat des Gloires. Et donc nous prévoyons une levée de fonds dans ce sens et nous voudrons que l'ensemble du corps de Christ se mobilise autour de cette vision Éclat des Gloires et de cette activité, le festin du cinquantenaire de la musique chrétienne moderne en Côte d'Ivoire, mais aussi l'apothéose du côté de Yamoussoukro, afin que cette fête, ces célébrations-là, puissent se faire avec tout le monde et donner ensemble gloire à notre Dieu. Merci à tous les journalistes, merci à tous les pères et à tous les acteurs de la musique chrétienne qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons tout ceci. Alors, vous aussi, ne restez pas à l'écoute.